Ouais. Voilà, c'est génial, c'est la folie toi-même, tu sais. Du coup, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de Rogue One, réalisé par Gareth Edwards, avec Felicity Jones, Diego Luna et Alan Tudyk dans les rôles principaux. Bon, je pense que vous savez de quoi ce film parle, mais je vais quand même vous résumer au cas où. L'histoire, c'est donc celle d'un groupe de rebelles qui ont une mission très dangereuse, à savoir voler les plans de l'étoile de la mort, mais sur le chemin, l'Empire va faire de son mieux pour les arrêter. Et si vous avez vu le 4, vous savez exactement comment ce film va se terminer. Mais ce film existe, du coup je vais en parler. Voilà, alors vous l'aurez compris avec l'introduction de la vidéo. J'aime bien Star Wars. Et ça fait du bien d'avoir des attentes pour un film et de ne pas être déçu. Parce que Rogue One, c'est loin d'être un des meilleurs films de l'année, mais c'est cool. C'est loin d'être un des meilleurs Star Wars aussi, mais c'est quand même un bon film. Et quoi qu'il arrive, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que la prélogie. Bon, c'est réalisé par Gareth Edwards, du coup, on va commencer par parler de la réalisation. Et c'est vraiment un des points positifs les plus importants, parce que putain, il y a beaucoup de plans en contre-plongée, ce qui fait que toi, tu te sens petit par rapport à ces énormes vaisseaux. Et même juste de manière générale, dans les scènes d'action, il arrive à créer un effet de grandeur. Et justement, après, il y a plus d'enjeux, parce que t'as l'impression d'être face à quelque chose de vraiment dangereux. Et pendant qu'on y est, parlons des scènes d'action. Parce que putain, elles sont vraiment incroyables. Alors on arrive à un point où on a fait tellement de progrès dans la technologie qu'on s'attend à ce qu'il y ait des bons effets spéciaux. Mais là, en particulier dans le troisième acte, c'était incroyable. Alors c'est vrai qu'il y avait Doctor Strange, mais pour qu'un film qui sorte en 2016 m'impressionne visuellement, faut vraiment qu'il ait de la gueule. Et les images de synthèse sont juste incroyables, c'est tellement réaliste. Bon, il y a un moment à la fin où le visage de quelqu'un est modifié avec des images de synthèse, et ça a juste l'air dégueulasse. Mais sinon, à part ça, durant les scènes d'action, j'étais constamment impressionné. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que ce film est assez différent des autres Star Wars. Après, bon, c'est quand même très similaire, et si vous aimez bien Star Wars, vous allez bien aimer ce film. Mais juste de manière générale, c'était un peu plus sombre. Bon, il y a quand même quelques moments humoristiques qui fonctionnent, mais par moments t'as l'impression de regarder un film de guerre. Et même juste les clones, si tu regardes dans les autres films, souvent ils sont tout blancs, tout est très propre. Mais là dans ce film, leurs costumes sont sales, ils ont tous des voix différentes, ce qui fait que t'as l'impression que c'est des vraies personnes. Et avec ce réalisme, t'as plus l'impression d'être vraiment dans l'univers du film. Et puis souvent dans les autres films Star Wars, c'est voici les gentils, voici les méchants, eux on les aime pas, eux on les aime bien. Mais là au final, personne n'est vraiment un gentil. Enfin par moments, les personnages auxquels on est censé s'attacher font des trucs un peu horribles. Et du coup oui, c'est Star Wars, il y a des scènes d'action, il y a des extraterrestres et tout, mais il y a quand même un sentiment de réalisme. Bon, ils auraient peut-être pu approfondir ça en montrant les méchants en étant un peu plus humains et normaux. Mais de manière générale, ce sentiment de réalisme est soutenu pendant tout le film. Sinon, j'ai trouvé que le personnage de Jyn Erso était bien. Le problème, c'est qu'elle manque un peu de charisme et son origine est un peu expliquée vite fait. Genre, dès la première scène, on explique ses origines et le film commence. Mais de manière générale, elle se démerde quand même assez bien. Et tu t'attaches assez à son personnage que t'as pas envie de la voir mourir, quoi. K2SO, son personnage, il est assez cool. Vu que ce film a un ton plus sombre, c'est un peu le seul comic relief. Son personnage est assez drôle et Alan Tudyk le joue extrêmement bien. Enfin, c'est un type de personnage qu'on n'a pas trop l'habitude de voir dans Star Wars et je l'ai trouvé vraiment cool. En fait, de manière générale, je dirais que les acteurs sont mieux que les personnages. Parce que même si Felicity Jones manque un peu de charisme parfois, tous les acteurs sont bons. Mais les personnages eux-mêmes, bah ils sont juste cool. Enfin, ils font des blagues et tout, et c'est loin d'être des mauvais personnages, mais c'est juste qu'ils manquent vraiment de profondeur. Et ils manquent vraiment de développement. Au final, Jyn Erso est le seul personnage qui est vraiment développé. Et j'ai pas particulièrement aimé le personnage de Diego Luna parce que, enfin, il a pas vraiment de motivation. Avant de commencer à parler des défauts du film, je voulais parler d'un truc précis, à savoir Darth Vader. Alors ce que vous devez savoir, c'est qu'il est dans le film genre 5 minutes. J'aurais préféré qu'on ne sache pas qu'il était dans le film en fait. Parce que tu le vois sur les posters et tu le vois dans quelques moments dans la bande-annonce. Et même s'il est pas beaucoup dans les bandes-annonces, ça aurait été bien d'avoir, je sais pas, 5-10 minutes de plus. Parce que quand il est dans ce film... Je peux vraiment pas parler de Darth Vader sans spoiler en fait. Tout ce que je vais dire, c'est que j'ai adoré. En particulier, une scène vers la fin du film. Je pense que je vais faire une vidéo, je vais parler des spoilers parce que là je saute beaucoup de trucs. Mais juste sa voix, la manière dont il est filmé. Par exemple, parfois il est en contre-plongée pour qu'il ait l'air plus supérieur. Je dirais même qu'il fait un peu peur et j'ai adoré ça. Alors j'ai déjà parlé du fait que je trouvais que les personnages étaient pas assez développés, mais un autre aspect qui m'a un peu déçu, c'était la BO. Dans tous les Star Wars, la musique est tellement iconique. Et dans ce film, la BO est pas mauvaise, mais j'ai l'impression qu'elle était un peu fait vite fait. Et au final, elle est un peu oubliable. Le dernier défaut que j'ai avec ce film, c'est que le premier acte était un peu bordélique. Et les scènes eux-mêmes sont beaucoup trop courtes. C'est juste, voici un peu de dialogue sur une planète, on passe à une autre planète. Voici un peu de dialogue, on passe à une autre planète. Et c'était juste un peu bordélique. Et ça mettait beaucoup, beaucoup de temps à se mettre en place. En fait, pendant que je regardais ce film, je me suis dit, ouais, c'est bien, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est cool. Mais le troisième acte et la fin en particulier m'ont vraiment fait aimer ce film encore plus. Pour dire sans spoiler, j'ai beaucoup aimé comment ce film se rattache à l'épisode 4. Il y a quelques incohérences dans l'épisode 4 qui sont résolues dans ce film. Et puis j'ai beaucoup aimé comment ça se liait à l'épisode 4 et à la toute fin. Au final, Rogue One est loin d'être un des meilleurs films de l'année et même loin d'être un des meilleurs Star Wars. En particulier parce que le premier acte est un peu
bordélique et qu'il y a un manque sérieux de développement de personnages. Mais il y a quand même beaucoup plus de points positifs que de points négatifs. Donc si vous voulez aller voir un drame de science-fiction intelligent et subtil, allez voir Premier Contact. Et si vous voulez aller voir un divertissement de science-fiction qui est vachement cool, bah allez voir Rogue One. Voilà pour mon avis sur ce film, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter, et j'ai aussi une deuxième chaîne YouTube, tous les liens sont dans la description. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut !